Maintenant qu'on connaît comment écrire la formule topologique d'une molécule, eh bien on va voir comment on peut utiliser les formules topologiques pour écrire les isomères de constitution d'une molécule organique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que un isomère ou des molécules isomères l'une de l'autre? Dans isomère, il y a deux choses. Il y a iso qui veut dire pareil et mère qui vient de méros qui veut dire partie. Donc d'un point de vue étymologique, tout simplement, des molécules isomères seront des molécules qui ont des parties identiques. Donc si on revient à la définition de chimie organique, des molécules seront isomères si elles ont même formule brute. Et puis ensuite, un agencement dans l'espace des différents atomes ou tout simplement un enchaînement des atomes qui diffèrent. Et donc dans les isoméries, on considère deux grandes branches. Il y a l'isomérie de constitution qui nous intéresse aujourd'hui, et puis dans d'autres vidéos, on verra plus tard la stéréoisomérie. Deux molécules seront isomères de constitution, donc si elles ont même formule brute, évidemment, et si elles ont une formule développée qui est différente. Et puis dans tout ce qui va suivre, je vais souvent employer le terme isomère, alors qu'en fait je devrais de manière très précise utiliser le terme isomère de constitution. Mais comme ici on s'intéresse que aux isomères de constitution, eh bien j'estime que c'est implicite. Voilà. Donc à chaque fois que je vais dire isomère, en fait c'est isomère de constitution. Prenons un exemple. On va prendre C5H12. Voilà. Donc C5H12, j'ai la possibilité de mettre tous mes carbones alignés comme ceci. Donc voilà pour la formule topologique du C5H12. J'ai bien mes 5 carbones, 1, 2, 3, 4 et 5, que j'aurais écrit ici pour faire la formule développée cette fois-ci. Maintenant, il me reste à compléter avec les hydrogènes. Et puis, comme on l'a vu précédemment, je vais compléter chacun de mes carbones pour qu'ils aient quatre liaisons avec des hydrogènes. Donc, le premier en a trois. Celui-ci en haut en a deux. Il a déjà deux liaisons, donc il en a deux de plus. Idem ici et ici. Et enfin, le dernier a qu'une liaison, donc je rajoute trois hydrogènes. Donc, je vais compter l'ensemble de mes hydrogènes pour voir si ça correspond bien à cette formule brute. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien mes 12 hydrogènes et mes 5 carbones. J'ai ces 5H12. Voilà pour le pentane, tout simplement le pentane. Donc, qu'est-ce que je peux écrire d'autre? Par exemple, eh bien, ce carbone-là, je l'ai mis en bout de chaîne, mais je vais essayer de le retirer du bout de la chaîne et puis de mettre une ramification. Donc, par exemple, je peux faire comme ceci. Donc, je ne mets que 4 carbones et puis ici, j'en rajoute un pour faire un cinquième. Donc qu'est-ce que ça donne ça en formule maintenant développée? Donc je vais placer mes carbones. Et maintenant je complète avec mes hydrogènes en utilisant la même règle. Je complète à chaque fois pour qu'il y ait quatre liaisons. Donc voilà pour tous ces carbones. Et pour le carbone central, eh bien en fait j'ai trois liaisons ici présentes. Donc il m'en manque un pour faire un hydrogène. Donc je compte à nouveau mes hydrogènes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, j'ai bien à nouveau 12 hydrogènes. Donc encore une fois, une autre molécule qui a comme formule brute, c'est 5H12. Donc j'ai écrit ici deux formules développées d'une molécule qui a toujours comme formule brute ces 5H12. Donc je peux dire que celle-ci et celle-ci sont deux molécules qui sont isomères l'une de l'autre. J'ai écrit ici deux isomères du C5H12. Alors est-ce que je peux en écrire une de plus? Cette ramification, j'ai décidé de la mettre sur ce carbone. Bon, on peut voir ce qui se passe si je décide de la mettre sur ce carbone. Donc j'ai ceci. Alors là, je peux me dire, ben voilà, je suis contente, j'ai écrit un autre isomère. Et en fait, eh bien, il n'en est rien. Parce que ces deux molécules, en fait, sont identiques. En effet, si simplement cette molécule, eh bien, on la retourne, on la fait pivoter, on va retomber exactement sur celle-ci. Donc je n'ai pas écrit une molécule différente, j'ai écrit la même. Donc ces deux molécules sont identiques. Pour l'instant, je n'ai que deux isomères. Alors, eh bien, on va continuer avec les ramifications. On a décidé de mettre une ramification. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'en mets deux? Donc j'avais dire, je diminue ma chaîne carbonée, je vais mettre que trois carbones, et je vais décider de mettre sur ce carbone central ici deux autres ramifications. Donc en formule développée, qu'est-ce que ça donne? Donc je mets mes carbones et je complète avec mes hydrogènes. Donc celui-ci en a 3, celui-ci en a 3, celui-ci en a 3 et celui-ci en a 3. Quant au carbone central, il a déjà ses 4 liaisons, donc il n'a pas d'hydrogène supplémentaire. Donc combien j'ai de carbone? Eh bien tout simplement 3 fois 4, j'en ai 12. Donc j'ai encore un isomère différent des deux précédents. Donc ce qui caractérise ici les isomères du C5H12, c'est que
c'est que tout simplement, les carbones, ici, ou les, de manière générale, les atomes, ne sont pas liés entre eux de la même manière. Voilà, c'est ça qui diffère. Ils sont ordonnés de manière différente. Donc voyons maintenant ce qui se passe sur un autre exemple. Prenons ces trois H8O que l'on a déjà rencontrés précédemment. Donc j'ai trois carbones, donc je vais pouvoir les positionner comme ceci. Et puis je décide de mettre un O ici avec un H. Donc voyons si cette formule topologique correspond bien à cette formule brute en écrivant la formule développée. Donc je positionne mes trois carbones et mon groupement OH et je complète chacun de mes carbones avec des hydrogènes. Donc ici j'en ai trois, ici j'en ai trois, et puis ici mon carbone a déjà trois liaisons, donc je vais lui rajouter une liaison avec un hydrogène supplémentaire. Et là je compte mes hydrogènes. Donc j'en ai trois de ce côté-là, plus 3 de ce côté-là, ça fait 6, j'en ai un ici, ça fait 7, et puis je n'oublie pas celui-là, donc j'en ai bien 8. Donc un isomère du C3H8O. Donc voyons ce qui se passe maintenant si le groupement OH, au lieu de le mettre ici sur le carbone central, je le mets sur le premier carbone. Donc je vais avoir ici mes trois carbones, et puis je rajoute ici mon groupement OH. Donc pour la formule développée cette fois-ci, eh bien je l'écris comme ça. Et je complète chacun de mes carbones avec des hydrogènes. Donc j'en ai deux ici, et ici j'en place trois. Donc je compte maintenant mes hydrogènes pour voir si ça correspond bien à la formule brute que j'ai écrite. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je n'oublie pas celui-là, donc j'en ai bien 8. Donc encore une fois ici, j'ai du C3H8O. Donc ces deux molécules sont bien isomères l'une de l'autre. Donc ici, on n'a que 3 carbones, donc ça va être trop court pour faire une ramification avec un carbone. Donc si je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire comme autre isomère, ben, j'ai qu'une seule possibilité ici, c'est de rompre la chaîne carbonée. Donc ici, en fait, je vais rompre la chaîne carbonée à ce niveau-là et je vais mettre l'oxygène à la place. Par exemple, ceci. Et j'ai bien mes 3 carbones. 1, 2, 3. Donc voyons maintenant la formule développée que cela donne. Je complète mes carbones avec les hydrogènes. Ensuite, on peut compléter l'octet de l'oxygène avec ces deux doublés non liants. Et puis enfin, on va compter nos hydrogènes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai encore 3 carbones, 8 hydrogènes, 1 oxygène. Donc j'ai encore une formule développée qui correspond à la formule brute C3H8. Donc cette molécule est bien isomère des précédentes. Donc de la même manière que j'en ai vu précédemment, voyons si au lieu de rompre la chaîne carbonée ici, je vais mettre l'oxygène de l'autre côté pour voir si j'ai un isomère différent. Donc je mets ici mes deux carbones, ici l'oxygène et ici mon dernier carbone. Et alors on peut se dire à nouveau, est-ce que j'ai deux isomères? Eh bien en fait non, parce que si on voit encore une fois que ces deux molécules sont identiques, il suffit de faire pivoter celle-là, de la retourner, et on retrouve exactement celle-ci. Donc ces deux molécules sont identiques, je n'ai pas d'isomères supplémentaires. Donc ici, pour le C3H8O, j'ai pu écrire trois isomères. Mais alors, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent dans ces isomères. Eh bien, ici, on voit apparaître à chaque fois le groupe OH. Donc ici, on a ce qu'on appelle des alcools. Ici, on a le propane 2-ol, tandis que ici, on a le propane 1-ol. Donc on a une fonction qui est alcool. On a composé ici, qui fait partie de la famille des éthers. Ici, on a deux molécules qui correspondent à des alcools et dont la différence, en fait, ne concerne que la position du groupement fonctionnel OH. Donc ici, on a bien deux isomères de constitution qu'on appellera des isomères de position. C'est la position de la fonction qui diffère. Par contre, entre ces molécules ici et celle-ci, ce qui diffère, c'est la fonction. Donc on a bien des isomères de constitution, mais ici on parlera d'isomères de fonction. Donc ce qui va être important maintenant dans les vidéos suivantes, et bien justement, c'est de voir quelles sont toutes ces fonctions des molécules organiques qui vont avoir des propriétés différentes.